maintenant, permettez-moi de vous présenter le célébrant principal de la messe d'aujourd'hui. Donc, ici, c'est la dernière fois où on célèbre la messe, qui sera célébrée par le cardinal Jean-Claude Olery, président des conférences épiscopales d'Europe. Lui, il pense que l'Europe devrait prendre la direction de la solidarité. Il y a une vision de consommation en Europe qui nous ne laisse plus vivre. Nous avons besoin d'une évangélisation qui va dans les profondeurs. Nous devons changer nous-mêmes. Nous devons faire entendre la voix du Christ qui nous appelle à un changement profond. Évidemment, il a aussi des exigences envers lui-même. Il a dit « Il y a l'espérance dans le Christ ». Pour moi, ça veut dire aussi que je vois ma fragilité et que cette fragilité n'est pas une menace, mais c'est une occasion pour dire « Mon salut est dans le Christ ». C'est mon espérance et sa parole, sa mort sur la croix et sa résurrection me guident pour que je sois encore plus engagée pour une société encore plus juste. Donc, nous vous attendons à la messe après la pause.
Voici qu'elles sont d'âge en âge les pensées de son cœur, délivrer de la mort ceux qui espèrent en son amour, les garder vie au jour de famine. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere ed omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Thank you.
Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui dilecti filii tui corde gloriantes, eius precipua in nos beneficia recolimus caritatis, de illo donorum fonte celesti, super affluentem gratiam mereamur accipere, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Lesung aus dem ersten Brief des Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. M'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Seigneur, mon partage et ma coupe. Alléluia, alléluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Verbum Domini. Éminence, Excellence, chères sœurs, chers frères, pendant la pandémie du Covid, la peur s'est établie dans le cœur de beaucoup de personnes. La peur de la solitude, la peur de l'échec économique, la peur de la maladie, la peur de l'hospitalisation et la peur de la mort. Les croyants, j'espère, ne sont quand même pas restés paralysés par cette angoisse. La fréquentation des sacrements, là où c'était possible, la communion spirituelle, où ce n'était pas possible, ont été une source de consolation et d'espérance. C'est un vrai miracle de la foi, car notre foi est dans son essence, foi dans le Christ mort et ressuscité pour nous, foi dans le Christ vivant au milieu de son Église et au milieu du monde. La foi, nous l'avons découvert, est notre boussole sur les chemins de notre vie. La foi en Europe est devenue une flamme bien petite qui, dans certaines régions de notre continent, risque de s'éclipser.
La foi dans le temps était soutenue par des structures culturelles. La foi entrait dans l'âme comme dans une symbiose avec le monde qui nous entourait. Une foi qui n'est plus soutenue par ce monde chrétien risque de devenir vacillante. Mais, nous le savons, notre foi ne se nourrit pas seulement par la culture. La foi se nourrit par son objet, qui en est en même temps le sujet, le Dieu vivant, source de cette même foi. La foi aboutit sur le contact avec le Dieu vivant par la prière et la fréquentation des sacrements. La foi a une dynamique missionnaire. La foi demande à être partagée. Et je prie de tout mon cœur pour que cette dimension missionnaire de la foi soit de nouveau découverte en Europe et partout dans le monde. Comme une flamme a besoin de bois et d'air pour rester vivante, notre foi aussi nécessite pas mal de choses. La foi ne se vit pas dans l'abstrait. La foi se vit dans le cheminement concret d'une personne, d'une communauté et de l'Église tout entière. La foi a dimension d'éternité, parce que c'est la foi dans le Dieu éternel, mais elle se vit dans le temps, en chemin. La foi nous ouvre les yeux pour discerner la présence de Dieu dans notre monde. La foi que nous professons ensemble dans le Credo ouvre en même temps à l'adhésion à notre vocation tout à fait personnelle. Elle est toujours une réponse à l'appel de Dieu. Une foi partagée ouvre l'Église vers le chemin de la synodalité. Une personne seule, une communauté et parfois même une église locale peuvent s'égarer sur les chemins de la foi. Le chemin synodal de toute l'Église corrige nos routes infructueuses et nous montre le chemin dans le désert, le chemin qui nous fait sortir du désert. Dans le désert de nos vies, nous avons la tentation d'abandonner notre foi ou de la réduire à notre petite taille. Notre foi doit être nourrie dans nos déserts. Et quelle nourriture serait plus apte à nourrir notre foi que la nourriture eucharistique, Jésus lui-même au cœur de notre vie. De nouveau, cette nourriture eucharistique de la foi est éminemment personnelle et en même temps éminemment communautaire et ecclésiale. Ne pas vivre la dimension ecclésiale nous ferait nous couper de nos racines qu'est le Christ et nous ferait nous arrêter sur le chemin qui nous conduit vers lui. Oui, la foi est un trésor que nous devons alimenter. Prions pendant cette messe pour notre propre foi et prions en même temps pour la foi de toute l'Église. Prions que notre foi soit portée par l'espérance. Prions que notre foi s'ouvre sur la charité. Une foi sans charité nous renferme sur nous-mêmes. La charité est la respiration de l'Église animée par la foi. La foi sans œuvre est morte. Notre pape ne cesse de nous rappeler que comme chrétiens nous vivons en société et que les défis d'injustice doivent être un lieu de l'engagement chrétien. La foi vivante est portée vers l'engagement. La foi dans Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, la foi dans un Dieu qui est communication d'amour, nous invite à ouvrir le monde sur nos frères et sœurs. Comme Dieu aime tous les hommes, notre foi nous pousse à nous faire le prochain de tous ceux qui sont dans le besoin. La foi est l'élément dynamique de notre vie dans ce monde, et même
et mène en même temps vers la contemplation du Dieu vivant. Permettez-moi encore de vous partager un peu les fruits de ma prière de ce matin. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que nous avons souvent une poutre dans les yeux. Alors, cette poutre fait que nous ne pouvons pas apercevoir notre prochain. Nous ne le voyons plus comme sœur et comme frère, mais comme objet de critique. Et quand je lis les Facebook, les médias sociaux, eh bien, il y a pas mal de poutres. Parce que tout le monde semble pouvoir critiquer l'Église dans son ensemble. Alors, il y en a qui ont la poutre dans l'œil gauche, l'autre l'ont dans l'œil droit. Et nous ne voyons plus le chemin où le Christ nous appelle à marcher ensemble. Donc, quittons nos petits chemins qui sont dus aux poutres de nos yeux et prenons le chemin du Christ. Et notre pape nous l'a dit, c'est le chemin de la synodalité. Alors, prenons ce chemin avec foi et courage. Puisse ce congrès eucharistique être l'occasion d'approfondir notre foi. Jésus, pain de vie éternelle, viens à secours de nos faiblesses. Augmente notre foi. Cœur de Jésus, fais notre cœur semblable au tien. Amen. Qui, par sa mort sur la croix, s'est offert pour nous au Père Céleste pour nous délivrer de nos péchés. Seigneur, tu as sanctifié l'alliance nouvelle et éternelle par ton sang, que nous te restions toujours fidèles. Seigneur, tu as accepté de souffrir et de mourir sur la croix pour nous. Que nous n'hésitions pas à accepter les croix de nos vies. Dominum depretibus. Seigneur, tu as promis de nous donner une source de vie éternelle. Envoie ton Esprit Saint sur tous les hommes. Seigneur, tu as envoyé tes disciples proclamer le pouvoir rédempteur de la croix. Que nous puissions, nous aussi, au pied de ta croix, la force d'endurer nos souffrances. Seigneur, tu as obtenu la résurrection et la gloire éternelle
à tous tes fidèles, que nos frères et sœurs décédés puissent voir l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, donne la paix éternelle à toutes les victimes des attaques terroristes et des guerres, ainsi que ceux qui sont décédés à cause du virus COVID ou des accidents de la route. Dieu Tout-Puissant, le scandale de la croix nous a montré ta sagesse éternelle et ton amour infini pour nous. Que nous nous glorifions toujours de la croix du Christ avec un esprit plein d'espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
fratae fratres, ut meum ac festum sacrificium, acceptabile fiat ad apoteum patrem omnipotente. Respice quesumus, Domine, ad ineffabilem cordis dilecti filii tui caritatem, ut quod offerimus et tibi munus acceptum, et nostrorum expiatio delictorum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui mira caritate, exaltatus in cruce, pro nobis strade decem et ipsum, atque de transfixo latere, sanguinim fudit et aquam, ex quo manarent ecclesiae sacramenta. Ut omnes et cor apertum salvatoris attracti, iugite haurient e fontibus salutis in gaudio. Et ideo, cum sanctis et angelis universis, te collaudamus, sine fine dicentes. Thank you.
Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad ocasum, oblatio mundo foratur nomini tuum. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calica, et tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Memore sigitur, Domine, eiustem filii tui saluti ferre passionis, nec non mirabilis resurrectionis ed ascensionis in coelum, sed et presto lantes alterum meus adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, ed agnoscens hostiam, cuius volui stimulatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nosli tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis, cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eus Sponzo, cum Beatis Apostolis tuis et Gloriosus Martiribus et Omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvare. Hec hostia nostra de consideraciones proficiat quesumus Domine, antosis mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmari dignieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et episcopo nostro Petro, cum episcopalis ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis quis familiae, quam tibi astare voluisti attesto, propitius, omnes filius tuos ubique dispersus tibi, clemens Pater, miseratus conjungem.
Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenni tercentiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso ed in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ad a peccato simus semper liberi, ad ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Oremus. Sacramentum caritatis, Domine, sancta nos faciat lectione fervere, quod filium tuum semper attracti, ipsum in fratribus agnoscere discamus, per Christum Dominum nostrum. Permettez-moi de vous dire quelques informations techniques concernant la suite de la journée. Après la messe, nous aurons le déjeuner dans les pavillons F et G en face de notre pavillon. Nous vous demandons de coopérer avec nous au niveau de la distribution du déjeuner. Les carrefours de l'après-midi commencent à 14h30 dans les pavillons A, B, E1 et E2. Les titres des carrefours seront projetés sur les écrans, donc vous aurez le choix entre 4 carrefours. Veuillez être à l'heure pour les carrefours, au moins 10 minutes avant le début. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur billet d'entrée pour dimanche, les membres des délégations internationales, de venir à côté de la scène pour reprendre les billets. After the mass, there will be a lunch break, and you are welcome to visit the buffets in pavilions F and G, opposite the plenary hall. With regard to lunch, we kindly ask the pilgrims to cooperate with the organizers to ensure a smooth distribution of the lunch. After lunch, the afternoon facultations will start at 14:30 in pavilions A, B, E1, and E2. During the break, the titles of the facultations will be displayed, from which you can choose the one you would like to attend. Please arrive to the selected facultation on time, at least 10 minutes before the start. We kindly ask the national delegates who haven't got their entrance ticket for Sunday yet, go to the right side of the stage after the mass. Köszönöm a figyelmet. Thank you for your attention. Dominus vobiscum, sed nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.